Quelles sont les salles d'urgence les plus performantes, celles où on attend le moins? Eh bien, selon les chiffres du ministère de la Santé qui ont été comptabilisés par le quotidien La Presse, les hôpitaux de la région de Québec s'en tirent plutôt bien. Guylaine Bussière. Le CHUL a un excellent résultat et l'Institut de cardio de pneumo de Québec est le premier de sa classe. Les hôpitaux de la région de Québec ont un meilleur bulletin que ceux de la région montréalaise en ce qui concerne le temps d'attente dans leurs urgences. Au premier rang des hôpitaux universitaires, trois hôpitaux de la région. L'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie, l'hôpital Laval, l'Hôtel-Dieu de Lévis, suivi de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et pas très loin derrière, le CHUL. L'enfant Jésus tire de l'arrière avec un temps d'attente moyen de 21h30. Mais qu'est-ce qui fait la réussite des meneurs, ceux chez qui on attend le moins, comme l'Hôtel Dieu de Lévis? C'est un secret d'équipe, finalement. Lorsqu'on regarde historiquement, on s'est très rapidement attaqué, nous ici, il y a quelques années, au fait que de soigner des patients maintenant à l'urgence, c'est pas juste un médecin et une infirmière. Mais ça prend vraiment une équipe multidisciplinaire. Et pour ceux qui éprouvent des difficultés, le manque de médecins est en cause et aussi le manque de lits disponibles. Il manque de lits sur les étages. Entre autres, des patients qui sont sur les étages, qui sont hospitalisés chez nous, qui n'ont plus besoin de soins hospitaliers, qui devraient être dans des résidences. Mais le problème à l'hôpital Saint-François-d'Assise est vraiment relié à la pénurie d'effectifs médicaux pour nous permettre vraiment de prendre en charge rapidement des patients sur les unités de soins. Le ministre est conscient des besoins de ses hôpitaux. Dans les deux cas, la grande difficulté, c'est le nombre de personnes âgées qui consultent dans les établissements et pour lesquelles il faut offrir plus de soins. Première ligne, des soins à domicile et des soins avec des médecins de famille. L'Agence de santé de Québec annonce qu'une quarantaine de lits en soins de longue durée seront disponibles prochainement et qu'on compte ouvrir une troisième urgence psychiatrique à Saint-Sacrement cet automne. Ça aidera à réduire les temps d'attente. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.